en dessous? Et la fille m'a dit oui. Donc, c'est littéralement ce que j'ai fait. Donc, cette nuit, il peut pleuvoir, il n'y a pas de trouble. Je vais être sûr d'être au sec. Oui, je sais. C'est vraiment, vraiment, vraiment redneck. Oui, je suis d'accord. Mais j'en ai rien à me battre les couilles. J'ai même pu me mettre le bike en dessous, ce qui est très cool. Et là, il faut que je me grouille d'aller prendre ma douche parce qu'à cause de la COVID, ils ferment les douches à 8 heures. Ici, il n'y a pas d'eau potable, donc il faut acheter de l'eau. 3 $ pour un 4 litres, ce qui est correct. J'ai acheté du bois, 6 $. D'ailleurs, il faut que je rapporte le sac à la fille. Et j'ai un rond à feu qui est juste à côté. Fait qu'à soir, on va me faire un petit peu. Tranquillos. C'est ça m'a coûté 12 $ parce que c'est considéré overflow ici. Donc, ça m'a coûté juste 12 $ en tant que tel pour la tente. Mais avec tous les trucs, ça m'a coûté comme 22 $. Regardez les falaises comme c'est magnifique. Dans la brume. Je sais pas combien il annonce cette nuit, mais j'ai l'impression que ça va pas être chaud. Bon, c'est pas très grave parce que j'ai de quoi me réchauffer, mais. Donc, c'était mon installation de tente Redneck, en espérant que cette courte présentation du camping et de la voiture Sebco vous ait plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je sais pas encore quelle va être la prochaine. Demain, je suis censé aller arriver à Duloup et prendre le traversier. Je n'ai même pas encore regardé où est-ce que je vais camper à Saint-Siméon au bord. Et j'ai Yvonne qui me fait encore des problèmes de rayon en arrière, donc je sais pas c'est quoi l'avenir encore de ce magnifique voyage. Est-ce que je vais choquer et pas y aller? Ou je vais quand même prendre le risque d'y aller, je sais pas encore. Donc sur ce, en espérant que ça vous ait plu, je vous dis à la prochaine.